Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous savez quoi? Couleur locale se promène dans le plus beau paysage de Suisse de l'année. C'est en tout cas l'avis de la Fondation Suisse pour la protection et l'aménagement du paysage qui va décerner ce week-end aux autorités et organisations locales un prix pour récompenser des années d'efforts pour restaurer, rajeunir les allées d'arbres. Elles ont vraiment quelque chose de particulier ici dans le Val-de-Ruz. On en parle dans cette émission. Pour faire revivre les allées d'arbres ici dans le Val-de-Ruz, les autorités et organisations locales ont entrepris d'importants travaux. On en parle avec vous, Géraldine Guédon-Anan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge du patrimoine et du paysage pour le parc régional Chasseral. Quelle est l'histoire de ces allées d'arbres ici? Alors, les allées d'arbres du Val-de-Ruz, en fait, leur histoire, elle est assez intéressante parce qu'elle date de la fin du 19e, enfin, c'est ce qui est raconté. Et puis, elles sont directement, en fait, nées d'une volonté politique, puisque à l'époque, il y avait quand même des questions liées à l'alcoolisme dans la région. Et puis, politiquement, on s'est dit que ce serait peut-être bien de planter des allées de poiriers pour produire, en fait, un alcool un peu moins fort. Alors ça, c'est la petite anecdote, mais ces allées, elles permettaient aussi de procurer de l'ombre, en fait, pour les gens quand ils se déplaçaient. Il faut imaginer qu'à l'époque, on n'était pas en voiture, mais plutôt en char. Et puis, donc, c'était assez intéressant d'avoir, en fait, cette dimension d'ombre. Quand on a une journée comme aujourd'hui où il fait très beau, ça peut être pratique. Elles commençaient à disparaître au fil des années. Pourquoi? Ben, en fait, les arbres, hein, c'est quand même de la matière vivante, donc les arbres s'abîment. Donc ils ont eu tendance à disparaître avec le temps, faute d'entretien, mais aussi lié aux agrandissements de la voirie. Ces dernières années, on a lancé quand même tout un programme pour maintenir ce patrimoine arboré dans le Val-de-Ruz. Et qu'est-ce qui a été fait justement pour que ces allées d'arbres revivent? Certains arbres ont dû être coupés parce qu'ils sont malades et donc dangereux, mais la plupart du temps, on a plutôt planté des jeunes arbres en parallèle des vieux, de manière à anticiper le remplacement des vieux arbres quand ils tombent les uns après les autres. Il y a des animations qui vont être mises sur pied pour marquer le coup? Alors samedi, il y a déjà un colloque qui est organisé donc en partenariat avec la Fondation pour la protection et l'aménagement du paysage. Donc ce colloque réunit des spécialistes, on va parler des allées toute la journée. Et puis à partir du 18 juin, le parc Chasseral et la commune du Val-de-Ruz s'associent pour monter une exposition en plein air, donc gratuite, qui présentera les paysages du Val-de-Ruz et leur évolution à travers le temps. Et vous allez aussi mettre en valeur le travail de certains citoyens et citoyennes d'ici? Alors, finalement, on a plein de citoyens du Val-de-Ruz qui documentent pour nous le paysage. Ça veut dire qu'ils prennent des photos annuellement du même site. Et puis, donc, on les associe directement à l'exposition puisque c'est leurs photos, entre autres, qu'on va montrer, mais aussi des photos historiques et puis des photos prises par le parc Chasseral. Eh bien, beau programme. Merci beaucoup, Géraldine Guédon-Anan. Bonne soirée. Merci. Le Val-de-Ruz s'est vraiment mobilisé pour ces allées d'arbres, on l'a vu juste avant. Et la Fondation Suisse pour la protection et l'aménagement du paysage va décerner ce samedi le prix du paysage suisse de l'année 2022 aux autorités et organisations locales. C'est un prix d'environ 10 000 francs. On en parle avec vous. Roman Apka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur suppléant de la Fondation pour l'aménagement et la protection du paysage. Des allées d'arbres, on en voit un peu partout en Suisse. Qu'est-ce qu'ici elles ont de particulier? Alors ce qu'elles ont de particulier, c'est premièrement c'est qu'elles sont encore existantes. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits en Suisse où malheureusement les allées d'arbres ont disparu. Donc ici, voilà, il y a eu un soin constant qui a été mis à entretenir ces arbres. D'ailleurs, il y en a toujours plus qui sont aussi replantés. Les autorités de la région, les paysans, etc. Donc on fait cet effort depuis maintenant passé 15 ans pour entretenir ces arbres et faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui encore venir les voir et les filmer. À quoi il sert finalement ce prix? Alors bon, premièrement, c'est à mettre en évidence les efforts accomplis ici dans le Val-de-Ruz pour entretenir ces allées d'arbres, mais ça fait partie également du paysage et maintenant de plus en plus la population ici se rend compte de l'importance de ces allées d'arbres. Donc ça fait partie maintenant peut-être gentiment de l'âme du Val-de-Ruz. On peut dire ici notre paysage à nous, c'est les allées d'arbres.
L'idée, c'est aussi de faire venir de la population d'ailleurs, de Suisse, pour découvrir ce Val-de-Rue. Ah ben, le Val-de-Rue mérite d'être découvert, que d'ailleurs l'entier du pays de Neuchâtel. Mais ici, il y a cette petite particularité, parce que les allées d'arbres permettent finalement, lors des promenades, on est dans des zones ombragées. Ici, c'est une zone agricole, on est en plein champ, mais les allées permettent justement de parcourir ce paysage d'une manière un peu plus agréable. Merci beaucoup, Roman Apka. Une bonne soirée. Merci.